Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Lucie en très bonne compagnie. Bonjour Lucie. Bonjour, bonjour à tous. Je te laisse te présenter pour que tout le monde te connaisse. Oui, donc je m'appelle Lucie, j'ai 25 ans, on se retrouve ici chez moi à Levens. Je suis pilote de cross-country niveau national et international et je roule pour La Pierre cette année. Dans le team Vélorock. Oui, c'est ça. Tu nous en dis plus sur ton palmarès peut-être ? Oui, alors j'ai été 4 fois championne de France, 2 fois vice-championne de France élite, j'ai fait un podium en Coupe du Monde, beaucoup de top 5 en Coupe du Monde Espoir, 5e du général de la Coupe du Monde en Espoir, top 20 en Coupe du Monde élite, c'est pas mal. Ouais, je pense que je vais en chier aujourd'hui. Non, ça va, je serai gentille. Bon, il faut arriver dessus, mais on verra après 10 bornes, hein. Mon but, c'est de t'épuiser. Ah, je pense que ça, tu devrais y arriver facilement. Bon, merci de nous accueillir. Bon, du coup, tu roules sur le La Pierre XR. Oui, c'est ça, le nouveau La Pierre. Par contre, j'ai quelque chose qui me chagrine. Tu mesures combien ? Alors, je suis un petit gabarit, je mesure 1m50. Et tu roules avec du full 29 ? Oui, c'est ça, je roule avec un 29 pouces, mais je m'adapte à la technologie. Pour moi, c'est le mieux. Ouais. Il y a une bonne stabilité, un meilleur rendement, une facilité à passer les obstacles et ça me plaît. Et oui, parce que la légende voudrait que les vélos à grandes roues soient pour les grandes personnes. Je me sens bien sur le vélo et c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est le principal pour performer, ça. Je te rejoins. Ouais. Même si je performe vachement moins. Bon, tu sais les innovations qui ont été faites sur le châssis pour permettre un tel progrès, parce que c'est un vélo en taille S. C'est ça, c'est un vélo en taille S et Fred est avec nous aujourd'hui pour nous en parler un peu plus. De chez La Pierre. De chez La Pierre, c'est ça. Allez, on le rejoint. Donc là, on est sur le parcours de la Coupe de France. Donc, tu es un peu dans la peau d'un concert. Pour une fois, ça me change de d'habitude. Wow. Ah, ça passe. Quelle idée de rouler avec des champions. Non, ça va. Heureusement qu'elle est gentille avec moi. Heureusement. Fred, je te sors un petit peu du bureau car tu m'amènes ce bike pour que j'ai l'exclusivité de rouler un petit peu avec, c'est cool. Ouais, merci beaucoup, merci à Lucie pour l'accueil. Je suis venu avec le nouvel XR. Donc notre nouveau modèle porte-drapeau cross-country pour cette année qui est reparti d'une feuille blanche, donc une grosse révolution pour nous avec une base cross-country, donc 100 mm à l'avant et à l'arrière et sa déclinaison en version marathon avec 120 mm à l'avant et 110 mm de débattement à l'arrière. Donc version marathon celui-ci, version XCE en compète celui de Lucie. Typiquement celui que Lucie va utiliser toute la saison sur ses différentes courses. Ok, tu me le présentes un petit peu ? Ouais, clairement, donc on est parti avec La Pierre d'une feuille blanche, c'est-à-dire que le but c'était d'arriver sur un vélo qui s'oriente plus sur les downcountry d'aujourd'hui, donc qui est capable de faire des belles descentes techniques, fun et ludiques. Clairement, pour arriver à ça, on a un vélo qui est 29 pouces intégral, peu importe la taille, donc on a 4 tailles différentes, S, M, L, XL. Okay. On peut penser notamment aux petites tailles, on a vu Lucie par exemple qui fait 1m50, ou on peut penser aux jeunes de club par exemple à 13, 14, 15 ans. Ou... Petit cadet, petit junior. Exactement, ouais, t'as pas forcément encore la taille pour rouler sur le vélo de papa qui est plutôt en taille M ou L des fois. Et là, dès les petites tailles, on peut rouler sur un full 29, de par le fait que les nouvelles géométries, c'est-à-dire un boîtier de pédalier adaptatif, un reach, donc cette longueur-là qui est évolutive, c'est-à-dire qu'en fonction de l'évolution des tailles, c'est pas proportionnel, c'est de plus en plus long. D'accord, ok. En plus de ça, on a des bases en 435, peu importe la taille du vélo, ce qui est relativement court sur un vélo de cross-country, qui nous amène un comportement ludique et fun en descente et performant en montée. Et de la maniabilité sur même les plus petites tailles, en fait. Ah, exactement, ouais. Et pourquoi on n'a pas opté pour un montage à mulet, par exemple ? Clairement, en termes de rendement et de roulement, hein, déjà, on perdrait trop d'énergie à l'arrière. C'est clair que, notamment en cross-country, XCO, on est en full 29 maintenant sur un peu tous les vélos, parce que le rendement, l'énergie des perdus, dans tous les cas, serait un mauvais choix pour nous de partir sur un mulet. Oui, clairement, parce que quand tu fais un tour de roue en 27,5, tu fais moins de distance qu'avec un 29. Et en cross-country, ça paraît plus que faisable, en fait. Ouais, tout à fait, exactement. La particularité de ce vélo, alors il y en a plusieurs.
Une, déjà, c'est que sur la version marathon, comme ici, on est à un angle de direction qui est parmi les plus ouverts du marché, avec 66 okay. d'angle à l'avant, ce qui nous met vraiment en position confortable dans les descentes raides ou techniques, par exemple. La première particularité, c'est la suppression du point de pivot ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'articulation là, mais on joue vraiment sur la flexibilité des haubans. On appelait ça le flex stays, qui nous donne une amplitude de 11 mm là sur le triangle arrière. Ce flex stays là, c'est ces haubans qui se plient légèrement là. Bah, ça implique déjà que le vélo soit forcément en carbone, puisqu'on a vu, on ne pourrait pas avoir cette torsion. Et ça implique aussi une sensibilité accrue sur les petits chocs, c'est-à-dire que par rapport à ce qui se fait sur le marché, quand le vélo est à l'arrêt comme ça, les haubans sont en très légère tension. Et une fois qu'on a notre pilote dessus, avec ce qu'on appelle le sag, hein, donc l'enfoncement naturel avec le poids du pilote, à peu près à 26%, on va dire, d'enfoncement, quoi, un quart de la suspension, c'est là où les haubans sont en repos. Et clairement, quand t'es sur le terrain, ben, c'est la plupart du temps dans cette position-là que le vélo se retrouve. C'est-à-dire que je suis en train de pédaler en montée, c'est là où mes haubans sont en repos, et c'est là où, du coup, grâce à ce principe, on va avoir le maximum de sensibilité sur les petits chocs. D'accord. Une suspension qui est dégressive et qui devient progressive à la fois sur les plus gros chocs. C'est ce qui le singularise vraiment de ce qui se fait sur le marché. Oui, vous avez rejoint avec le flex ce qui se fait en termes de vélo de cross-country moderne. Donc clairement, vos concurrents Giant et Scott. Mais cette technologie-là, de mettre en tension, c'est ce qui vous différencie clairement ce vélo. Exactement, clairement. C'est vraiment là où on se démarque et ça se ressent sur le terrain, notamment dans les montées techniques où on a besoin du maximum de motricité. Et j'ai une petite question. Du coup, au montage, t'es obligé de mettre une compression dessus pour le mettre en tension? Pour monter l'amortisseur, tu vois. Exactement. Ouais, la billette surtout. Non, tu montes ta billette normalement et après, clairement, en montant l'amortisseur, tu tires légèrement en arrière, mais ouais, tout à fait, ouais. Okay. Bonne question, mais non, ça se fait de manière très classique. Après, vélo a été développé, partie mécanique pour être le plus accessible possible aux mécanos avec des routings internes, etc. pour avoir quelque chose de très simple et de très facile à travailler. Pour le guidage interne des câbles. Guidage total interne, tout à fait. Pour éviter les petits bruits, je dirais un peu dérangeants qu'on a pu connaître dans le passé, mais. Puis l'entretien qui est facilité au maximum. Okay. Quelque chose de très fluide, des lignes droites, etc. Quand je disais qu'on est reparti d'une feuille blanche, la base pour nous, c'était d'arriver à un vélo qui soit très fiable et le plus léger possible. Le plus léger, le but est clairement atteint dans le sens où notre but fixé était moins de 1800 grammes pour un cadre en taille médium. On y est, on est plutôt en dessous. Le vélo, quasiment le plus haut de gamme, est déjà en dessous des 10 kilos hein, en version cross-country, donc en 100 et 100 débattements. Et la deuxième particularité, c'était l'objectif de fiabilité. Donc effectivement, on pourrait encore descendre en poids si on voulait, en mettant des bushings par exemple sur le vélo et en grattant 150 à 200 grammes, et là en l'occurrence. Et c'est vrai que pour la fiabilité, on est parti sur des gros roulements un peu surdimensionnés partout pour limiter l'entretien forcément. D'accord. Et voilà. Combien de modèles disponibles? Alors on en a 3 dans la famille XR, donc la version XCO, 3 dans la version XRM, marathon, et une édition spéciale anniversaire qui sortira un petit peu plus tard. En termes de fourchette de prix, on démarre avec déjà le vélo qui est monté forcément en cadre carbone, hein, à 3 500 € jusqu'à 8 300 €. Ouais, ce qui est franchement correct pour un vélo haut de gamme par rapport à ce qui se fait actuellement. Ouais, clairement, c'est vrai que c'est notre philosophie de rendre, j'allais dire, cette performance abordable dans le cadre d'un vélo qui se veut quand même résolument haut de gamme. Oui, on peut le dire. Ouais. Bon, bah, tu sais quoi, je pense que je vais y retourner. Il fait bon au soleil, je vais y profiter avec Lucie. Pendant que certains vont bosser derrière l'ordi. Ouais. Hein. Amusez-vous bien. Bon, merci. Merci, c'était trop cool. Bon vélo. Pour l'exclu, c'est top. Top. Et c'est fuyant ici. Oui, il y a vraiment de pierres qui roulent. Puis on a une pensée pour toutes les gens qui roulent sous la flotte. Big up à eux. Nous, on est en plus à fond. Ah, moi, j'ai pris le pantalon quand même. J'avais peur. Magnifique là. Allez, la descente. Ça devrait aller. Youhou. Eh, c'est que ça va vite devant. C'est que les crosseux, ils savent faire du vélo, hein. Bon Lucie, cette pause me fait du bien, c'est pas facile à te suivre, hein. Et puis avec la chaleur qu'il fait ici. Bon, on est là pour parler des ajustements de ton vélo par rapport à ta morphologie. C'est ça. Donc forcément, ce qui saute aux yeux, c'est ta potence. Oui, j'utilise une potence courte, c'est une 60 mm avec une inclinaison de moins 20 degrés pour être au plus près du sol et pour charger l'avant. Ok,
Et après, forcément, je vois un petit peu la selle qui est quasiment avancée au maximum. Oui, on l'a plus avancée pour que je me sente mieux, que je ne sois pas trop couchée sur le vélo. La position est bien, je me sens à l'aise dessus, donc c'est un bon combo. Ok, ça tu as choisi directement quand tu as reçu le vélo, avec des mesures que tu connaissais, ou tu as fait des petits tests, des petits réglages? Oui, on ajuste toujours, hein. J'ai pas vraiment de réglages standard, on va dire. Chaque vélo est différent, on peut pas savoir à l'avance. Chacun, on va dire, n'a pas de position. Donc ça vient cadre. Avec des essais? C'est ça, on teste, on fait des essais de selle, de recul, différents. Niveau braquet et longueur de manivelle, est-ce que tu as dû adapter ton vélo donc de série à toi ou c'est standard? C'est standard sur une taille S, mais après j'ai toujours utilisé du 170, donc ça pour ça c'était pas ajusté, donc top. Ok, et niveau braquet? J'utilise un plateau de 32. Ok. Après maintenant les cassettes elles sont tellement grosses que honnêtement on n'a pas trop à changer dans la saison, donc c'est top. Je te demande ça parce que qu'une personne de petit gabarit forcément a moins de watts, moins de puissance qu'une personne grande, ce qui est logique. Hein. Et pour ça tu as un capteur de puissance? Oui, j'utilise un capteur de puissance essentiel pour moi dans la préparation physique. Et pour les courses aussi ou c'est vraiment pour la préparation? Honnêtement maintenant ils arrivent vraiment à faire quelque chose de léger. Où c'est qu'on peut l'utiliser toute la saison, même sur les courses. Après, moi, clairement, ça me fait vraiment un vrai repère. J'aime l'utiliser en compétition. Ok. Je vois ma progression toute l'année et puis au moins, j'ai pas besoin de faire, on va dire, des tests récurrents tout le temps pour savoir comment utiliser mes watts. Au moins, là, on a la progression constante sur toute l'année et c'est vraiment un repère qu'il nous faut. Et peut-être qu'il y a des curieux. En watts, ça représente quoi? Sur une minute, je suis là actuellement à 480 watts. C'est pas mal. Ouais, pour ta taille et ton poids. Oui, 1m50, 45 kilos. Ouais. C'est pas trop mal. On repassera pour faire mieux. Hein. Normalement, d'ici quelques mois, ça devrait augmenter encore. Ouais, pour être voilà, à ton pic de forme. Exact, on monte crescendo chaque année, donc c'est ça qui est intéressant. Et petite question, tant qu'on est dans les chiffres, quelle est ta pression dans les pneus? Alors, j'ai une fourchette. En fonction des pneus que je vais utiliser, de la gamme, de la gomme, il y a vraiment plein de critères à prendre en compte. Je suis entre 0,9 et 1,1 kg. D'accord, ouais, c'est très light. Et c'est bien parce que ça... ça peut paraître light, mais je fais 45 kilos. Donc, en soi, si je mets plus, je perds en grippe et c'est plus du tout intéressant. Oui, ben, c'est la première chose qui nous lie avec le sol. Donc, c'est ultra important de bien choisir ses pressions. On a fait des vidéos là-dessus. Tu as un tubeless, on le précise. Oui. Et ça casse le mythe des gens qui croient qu'il faut 3 kilos pour avancer vite en cross country. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas du tout. Il faut jouer avec les pressions des pneus, tester. Il y a des pressions différentes. Là, j'utilise de chez Hutchinson le Skeleton et c'est une gomme très tendre. Donc, c'est le top du top. C'est ce que je préfère pour moi. C'est très difficile. Je suis un petit gabarit assez légère. Donc là aussi, c'est assez compliqué de trouver les bonnes pressions parce qu'on doit souvent descendre assez bas et ça peut nous emmener, on va dire, à une crevaison un peu plus facile. Forcément. Donc voilà, les tests. Et puis moi, c'est la fourchette de pression que j'utilise. 0,9, 1,1 kg. Bon, on y retourne avant de trop se refroidir. C'est parti. Allez, go. Et si c'est beau. Ouais. Admire le soleil couchant du sud. Quand t'es oxy, c'est dur, hein. Admire quand même. Merci Torque. Parce que là, c'est vraiment dur. Vraiment bon. Alors là, elle va me poser 2 minutes à la montée. C'est une montée un peu technique qui est dure quand même. Qui est dure quand même. Quand même. Nous, on dirait, laisse tomber, c'est pas pour moi. Son cabour, c'est crosseux. Heureusement, elle connaît les trages. Fin de sortie, nickel. Bon, Lucie, on se retrouve chez toi, fin de sortie.
Je me réhydrate bien parce que j'en ai bien besoin. Bon, on parle un petit peu de ton entraînement parce que je suis sûr qu'il y a des curieux. Qu'est-ce que ça donne une semaine type pour une pilote pro ? Du vélo, beaucoup de vélo. Essentiellement du VTT, de la route aussi, du VAE que je fais beaucoup. D'accord. De la course à pied en période hivernale et on va dire période un peu plus souple. Et de la musculation une fois par semaine toute l'année. Tu fais des travaux spécifiques, tu fais va rouler pour aller rouler, ça se passe comment ? De tout, beaucoup de spécifiques qu'on en a vraiment besoin pour le VTT, beaucoup de PMA que j'apprécie, c'est difficile mais c'est essentiel. Et beaucoup de travail d'explosivité en musculation et ce qui va être route, on est plus sur un peu de PMA aussi okay. parce que c'est toujours un peu plus difficile en route, ressenti personnel. Et aussi un travail de seuil qui est un peu plus, on va dire... pénible. Moi, je l'apprécie un peu moins. Et en termes de kilométrage, de timing, de dénive ? Alors, sur nous, on travaille en heures. Ouais. Je suis aux alentours de 12 et 15 heures, on va dire, basique. C'est ça. Et après, pour les semaines un peu plus corsées, entre 18, ça peut aller jusqu'à 20 heures, mais c'est rare. Ok. Oui, tu comptes en heures, clairement, parce que tu ne vas pas faire les mêmes kilométrages en route qu'en VTT, dans des petits singles du DFCI. C'est ça. En VTT, sur une séance d'une heure et demie, deux heures, on va être entre 20 à 25 kilomètres. Et en route, sur une séance de deux heures et demie, en fonction du dénivelé qui est aux alentours de 800 mètres, on va dire, c'est difficile de faire moins ici. On se retrouve entre 60 kilomètres ou plus ou un petit peu moins. Et en termes de, d'autres sports, est-ce que tu fais du trail, tu fais de la natation Alors, de la natation, clairement non. Même si j'apprécie, on va dire, le sport, c'est, on va dire, trop loin pour moi d'y aller à la piscine. Mais course à pied, ouais, j'adore ça. Et surtout en période hivernale. Et de temps en temps, pour souffler, changer de sport un peu, voir ouais, autre chose. Pour couper, clairement. Voilà, c'est ça. Cette année, tes objectifs, ton parcours, quoi de prévu ? Déjà, je suis super contente de travailler avec une marque comme La Pierre. C'est vraiment, ça remet un boost, clairement. Hein. Et j'aimerais bien redevenir bien performante en Coupe du Monde. Championnat du Monde au G, c'est vraiment l'objectif. Hein. À la maison, ça fait rêver, vraiment. C'est, la France, c'est comme une terre de vélo. Hein. C'est terre de champion, terre de vélo. C'est... Puis l'ambiance qui est là-bas. L'ambiance, c'est ça. Ça donne envie, donc ouais. Objectif numéro un, championnat du monde OG, les performances en Coupe du Monde, le plaisir, voilà, avant tout, c'est le plaisir. Bah, le mieux, c'est de te suivre sur tes réseaux. Et je crois que tu as une très belle surprise pour nos abonnés, un partenariat avec nos partenaires, Julbo. C'est ça, Julbo et Lapierre, ils ont fait une magnifique paire de lunettes, Fury. Un extra limité. Extra limité. Et on vous l'a fait gagner, ça se passe... Sur les réseaux sociaux. Bon, Lucie, après cette super nouvelle, on va te laisser te reposer, car la récup, c'est... primordial. Et très important. Ouais. Merci énormément de ton accueil. Franchement, c'était trop cool. Ben, franchement, merci à vous. J'ai passé un super moment. C'était super. Tu penses qu'ils seront présents sur les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, peut-être ? J'espère. En tout cas, je compte sur vous. Et vous nous dites en commentaire si vous serez là pour la supporter. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, on pense à s'abonner, à liker si vous avez aimé ce petit épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Merci à tous. Ciao, Lucie. Ciao.